machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, même dans les grands trous. Les super machines, pour tirer, pour lever ou pour voler. Ouvrir une tour qui monte dans le ciel, pour les travaux légers ou industriels. Les super machines, des moteurs, des avions et des remorqueurs, des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons. Super machine, lourde, énorme et solide, elle passe partout, même dans les grands trous. Les super machine, nous aider à bien travailler. Les super machine. Bonjour, je m'appelle Gros Bedon, et je suis une bétonnière. Et voici mes copains. C'est ici que nous travaillons. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quoi sert le béton et comment on le fabrique. Allons-y, dépêchons-nous. Ah, voilà le rouge. Il est long, n'est-ce pas? Le rouge transporte du sable. Pour faire du béton, il nous faut du sable, du gravier et du ciment. Au revoir, le rouge. Ah! Mais c'est né bleu! Devinez un peu ce qu'il transporte. Eh oui, c'est du gravier. D'abord, le gravier est déversé dans la trémie. Ensuite, il monte à bord de ce long convoyeur pour finalement aboutir sur ces amoncellements énormes. C'est alors que Catherine entre en action. Salut les enfants, je suis une chargeuse frontale. Je vous présente Charlie, mon conducteur. Notre travail consiste à garder la cimenterie propre et bien en ordre. Vous voyez, il existe différentes grosseurs de gravier selon les travaux à effectuer. Les cailloux les plus petits. On les empile ici. Thank you.
Tandis que les plus gros cailloux, eux, on les met sur ce tas-là. Ah ! Gros Bedon s'apprête à recevoir son chargement. C'est ici que le sable et le gravier sont mélangés au ciment pour ensuite être versés dans mon malaxeur. Ensuite, on ajoute de l'eau et on mélange bien. Il est très important que mon malaxeur tourne rapidement pour que le béton soit bien mélangé. Parfois, il faut ajouter un peu plus d'eau. Ainsi, le béton sera prêt à être coulé. Avant de quitter la cimenterie, mon conducteur jette un coup d'œil dans mon malaxeur pour voir si tout est bien mélangé. Eh bien, tout est parfait. Hourra ! Nous sommes en route ! Aujourd'hui, nous devons paver une rue. Alors montez avec nous et attachez vos ceintures. Je vous présente mon conducteur. Il s'appelle Henri. À déverser le béton, on s'affaire à enlever le vieil asphalte.
Nous sommes presque arrivés. Alors les gars, par où est-ce qu'on commence? Ici? D'accord. Doit faire en sorte que la gouttière soit de la bonne longueur. Si elle est trop courte, il peut y rattacher d'autres pièces. Semble prêt pour la couler. Je dois juste reculer un tout petit peu. L'eau fait en sorte que le béton coule plus facilement. Un dernier petit ajustement. T'es prêt? C'est parti! Les préposés veillent à ce que le béton soit étalé uniformément. Thank you.
Eh bien, ils en ont terminé avec moi. Pendant que je passe à la douche, pourquoi n'allez-vous pas observer les travailleurs mettre la touche finale au trottoir tout neuf ? Ça, c'est un aplanissoir, et ça sert à lisser le béton. Plus le béton est lisse, plus il sera durable. Ça, c'est une belle bordure. Ils ont l'air d'avoir presque terminé. Ah, l'estampe! Elle indique l'année durant laquelle le trottoir a été fait et par qui il a été construit. Très joli travail. Et me voilà tout propre. Retournons donc à la cimenterie. Mais c'est mon ami Ventru. Il exécute présentement un travail très important. Salut, gros bedon. Salut, Ventru. Ventru livre du béton qui sert à la construction de cet immense gratte-ciel. Afin d'atteindre le sommet de l'édifice,
Le béton doit d'abord être déversé dans ce gros contenant qu'on hisse au moyen de cette grue gigantesque. Lui, c'est Monsieur le Grutier. Il en faut du béton pour construire un gratte-ciel comme ça. De la journée avant de me retirer, je dois prendre un bon bain, tout comme vous devez le faire avant d'aller vous coucher. S'il reste du béton dans mon malaxeur, je le déverse ici, sur ce tas. Il me reste assez de béton pour qu'on puisse fabriquer de petites choses comme des séparateurs amovibles pour l'autoroute. Lorsqu'il ne reste plus de béton dans mon malaxeur, mon conducteur le remplit d'eau pour bien le rincer. La bétonnière doit toujours aller se garer, le bedon vide et bien propre. Bonne nuit, Catherine. Bonne nuit, gros bedon. À demain. On dirait que je suis le dernier à rentrer au bercail.
Eh bien, les amis, la journée a été bien longue. Mes copains et moi espérons que vous vous êtes bien amusés et que vous avez appris quelques petites choses en même temps. Au revoir, tout le monde! Super Machine, lourde, énorme et solide. Elle passe partout, même dans les grands trous. Super Machine, pour tirer, pour lever ou pour voler. Construire une tour qui monte dans le ciel, pour les travaux légers ou industriels. Et Super Machine, des moteurs, des avions et des remorqueurs, des sons qui impressionneront toutes les filles et les garçons. Super Machine, lourde, énorme et solide, elle passe partout, mais dans les grands trous. Super Machine, pour nous aider à bien travailler. Super Machine.